Bonjour à tous, nous sommes lundi 1er mars 2020. Je suis floue, voilà. Il est 11h moins le quart. Dans une petite heure, on va partir donc avec David au resto gastronomique offert par mes parents l'année dernière à mon anniversaire. Donc voilà, donc on avait presque atteint la date limite qui était le 18 mars. Mais voilà, on a réussi à caser une date. On y pensait, hein, on n'avait pas vraiment oublié, on y pensait régulièrement, mais voilà, on fait ci, on fait ça, le week-end on fait pas ça, on a pour y sortir, on a envie de faire ci, on a envie de faire ça. Et au final, on le fait pas et on arrive, voilà. C'était limite, quoi. Limite, limite, ça aurait été con, quand même. Enfin bref, donc voilà, donc j'espère que ça va être bien sympathique. Ce matin, quand je me suis levée à 8h30, il y avait un soleil. Mais un grand soleil de ouf, man. Un grand soleil et très peu de vent. Maintenant, il n'y a plus tout de soleil, il y a plein de nuages gris et un petit peu de vent. Voilà, voilà. Bon, on verra bien si on se promène après dans le parc. Donc, c'est à Saint-Germain-en-Laye. On y est allé plusieurs fois avec vous en vlog. Je vous ai présenté le parc plein de fois, les rues de Saint-Germain aussi plein de fois, mais tant pis, quoi. Tant pis, tant pis. De toute façon, je verrai ce que je filme parce que je vous dis, c'est pas dit qu'on se balade des masses et puis voilà. On verra bien. Ce qui compte, c'est comment je viens. Donc voilà, donc il nous faut à peu près 40 minutes pour aller là-bas. J'ai réservé pour midi et demi, 1h moins le quart. On va partir vers midi moins le quart, à peu près. En gros. Oui, je marche dans mon manoir. C'est pas un manoir. Hein. C'est une maison. Ouais. Tout ce qui est plus normal, hein, pour ceux qui se poseraient des questions, c'est juste... Parce qu'un jour, on m'avait dit, il y a très longtemps de ça, quand tu marches, quand tu sens direct ta maison, c'est un manoir. Mais pas du tout, c'est une maison standard. Bref. Donc voilà, donc je suis bien contente qu'on fasse ça. Ce soir, mon ex me ramène Alexis, je sais pas trop à quelle heure. On verra bien. Et puis, il va falloir qu'il se mette à ses devoirs parce qu'on n'a rien fait du week-end. Enfin, il n'a rien fait du week-end. Donc ça va être chaud les marrons chauds, mais bon. C'est comme ça. Je suis un peu essoufflée parce que j'ai fait des allers-retours dans l'escalier. Enfin, pas parce que j'avais envie de faire des allers-retours, hein, parce que je suis cherché un bar, remonter un truc gros, etc., etc. Donc voilà, bref. Ouh. Donc je suis bien contente qu'on fasse ça. Et voilà, donc je vais vous emmener avec nous tout à l'heure. Voilà. T'as mis ton beau manteau, t'as pas mis ta veste rouge. C'est vrai. C'est cool. Tiens, je vais défendre si je trouvais une poste. Belle chaussure, beau pantalon. Une poste, mais c'est pas ouvert le dimanche. Non. Oh la tête. Je t'en prie. Ah, mais tu sais, je pourrais la mettre dans une boîte. Ah oui, bah on passe devant une boîte là. Oui, mais... Bon, enfin bref. Je serai dehors. Ah bah tu es. Ouais. Merde, il pleut. Ah putain, il pleut, David. Fais chier. T'as ouvert la voiture? Oui. Bon, je cours. Je suis dégoûté. Bon, j'arrive pas à vous poser. Il pleut. Putain. Ah, je pensais vraiment qu'on allait pouvoir se balader dans le parc. Bon, en fait, on n'y va pas pour le parc, hein, mais... Oula. Voilà. On y va pour le resto, mais bon. Oh non, on pourra pas se balader dans le parc. Hein. Ça dépend. Ouais. J'essaie de mettre ma ceinture. Ah, une main. Putain. Je suis engoncée contre tout le vent là. Ah. Voilà. Let's go. Let's go. Je vais mettre l'adresse dans le GPS. Thank you.
On est presque arrivé, on a toujours les essuie-glaces qui tournent et qui font un bruit de ouf. On est à 800 mètres. On va chercher le... Normalement, il y a un parking réservé au restaurant. Au parc là, je me rappelle, c'est ici j'étais quand j'allais à l'armée, je venais là. Ici c'était le commandement militaire, c'était des, comment on appelle ça, le service de santé. Voilà, le service de santé. Ah des oui, armées. D'accord, on va bien arriver au conseil, ouais. Là, on va bien arriver au château, au châtal. Et on est arrivé. Voilà. Pavillon. En fait, on... Pavillon Henri IV, voilà, ouais. C'est là. On va laisser. C'est même un 4 étoiles. C'est un 4 étoiles, bah, c'est un resto gastronomique. Ça rigole. C'est pas la brasserie du coin, quoi. Non, c'est pas le McDo. Ça va nous changer. Hein. Bah, ouais. C'est bien. Ouais. C'est un beau cadeau. Attends, oui. C'est dommage, il y avait une belle vue là-bas, mais on voit rien. C'est ça. Voilà. Bravo. Alors Henri IV doit être là. Voilà. Et là-bas. Ouais. On va rentrer. Du coup, je vous filmerai pas trop dehors parce que. Ah là là là. Oula, alors lui. Je suis sûr que ça vous énerve les essuie-glaces, mais on n'a pas le choix. Qu'est-ce qui fait le. Ouais, le vieux schnock. Tu sais, tout à l'heure, on pourra même laisser la voiture se promener. Ouais. Mais c'est même un bon plan, hein. Il faut le savoir. Tu viens, tu t'en vas discrètement. Qui va te dire quelque chose ici? David vous fait part de ses petites astuces de fourberie. Non, mais c'est vrai, parce en que... live, c'est joli, hein. Ouais, tu te gares. Trop joli. Tu fais ce que tu veux au restaurant et tu cours. Ouais, tu cours après, te promener. Après, il te ferme la barrière et tu l'as dans le Kyululiu. Ah ouais, mince. J'ai pas pensé. On est arrivé au resto là. Donc attends, David, dans ce pavillon. Voilà, c'était donc normalement je vous ai tout filmé. C'était une tuerie monumentale, ouais. Gastronomiquement parlant. Comme ça, hein, c'était excellent, un service excellent. Le cadre, c'était vraiment superbe, c'était génial. Et très arrangeant. Très arrangeant, ouais. Franchement. C'est assez rare dans ce genre de truc. C'est extraordinaire, c'était vraiment super. Donc voilà, donc notre plan de. Se promener dans le parc. C'est mort. C'est mort parce que là il tombe vraiment des cordes en fait. Et c'est impossible. Une pluie fine ça aurait peut-être pu le faire. Donc là on passe au château. On aurait pu le faire. Il est 15h, on sort du resto, il est 15h. Enfin, il est 3h moins 10. C'est le château de Saint-Germain. Bon, je vous ai déjà filmé de toute façon ici plusieurs fois le parc et le château. Ah ouais, c'était super, super, super. Franchement, voilà. Mais là, il pleut trop. Mais c'était extraordinaire.
Bon, on n'arrête pas le progrès. Il neige. Oh, ça craint souille là. Je sais pas si on le voit bien hein, sur la caméra, mais ça neige quoi. Ça tiendra pas, je pense. Hein. Mais c'est quand même des gros flocons. Ils ont l'air petits comme ça. Mais ils sont gros. Ils sont gros, gros, gros. Ils sont un peu mélangés avec de la pluie, à mon avis. On voit pas bien, mais je vous assure qu'il neige. C'est génial. Putain, la fenêtre, elle grince, ça m'énerve. Donc voilà, quoi. C'est un truc de fou. C'était pas prévu au programme, ça. Donc voilà, donc on est rentré. Hein. Qu'est-ce qu'ils m'ont raconté? C'est Siri, c'est mon route. Hop. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc voilà, il neige. Oui, donc, on est rentré et c'était vraiment extraordinaire. C'était génial. Génial, génial. On s'est régalé. C'était vraiment super, quoi. Super, super. Contrairement aux idées reçues, on mange bien dans un resto gastronomique. Hein. On sort pas qu'à faim. Ça, c'est faux. Alors, évidemment, c'est pas une grosse plâtrée de bouillabaisse ou de couscous, mais on mange quand même bien, on sort pas que la faim, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Mais là, c'est pas vrai. Putain, j'en reviens pas. Alexis doit être tout fou là. Du coup, bah, ouais, son père l'a ramené tout à l'heure. Hier, je l'ai eu au téléphone, je suis en contre-jour. On voit rien en fait parce qu'il fait sombre. T'allumer. Ah bah salut. Salut, vous me reconnaissez? Bref. Hier son père l'a emmené sûrement avec son petit frère, je sais pas, avec son petit frère, je sais pas, mais un truc d'escalade. Pas très loin de chez nous. Donc voilà, donc apparemment il est super content. Et aujourd'hui ils avaient un loto, vous savez, l'après-midi là. Voilà, donc c'est cool. Ils ont fait deux trucs ce week-end, c'est bien quoi. Enfin, je pense qu'Alexis, il devait être content. Et voilà. Il pourra pas dire qu'il s'est ennuyé. Que... Parce que souvent, il me dit, ouais, on fait rien avec papa. C'est pas tout à fait vrai. C'est parfois vrai, mais de toute façon, on peut pas toujours faire quelque chose non plus. Hein. Enfin, bref. Mais voilà, donc voilà, je suis bien contente. J'ai hâte qu'il rentre quand même. Bon, il est parti que depuis hier matin, mais j'ai hâte de le revoir. Je vais être tout fou là. Maman, il neige. L'autre fois, il me dit j'adore quand il pleut et tout. Ouais. Alors, je peux comprendre que la neige, elle excite et qu'il soit content. Mais alors, la pluie. Non, je comprends pas. C'est fou. Enfin, bref, bon, je vais me mettre à mon montage. Je sais plus, je vous dis l'heure. Là, il est 16h13. On est sorti du resto, il était presque 3h. C'était trop top. Bon, il neige plus, ça y est. Ça n'aura pas duré. Bon, il y en a un petit peu sur la voiture, très légèrement, très légèrement. Bon, c'était sûr que ça ne dure pas, de toute façon, parce que les températures sont positives. Voilà. Alors, un peu de lumière. Il fait sombre, par contre. Oh, un truc de ouf. J'arrête pas de regarder par les fenêtres. Ouais, non, là, il pleut. Il repleut quoi. Bref, je pense que je vais pas tarder à clôturer la vidéo. Attendez, je retourne la lumière. David, lui, il s'est foutu dans la télé. C'est très rare hein, qu'il fasse rien aussi tôt que ça. Il se met généralement devant la télé après manger le soir. Ce soir, on va pas manger d'ailleurs. Nous, je vais faire manger à Alexis évidemment, mais nous, on va pas manger. Je vais peut-être lui noter un yaourt ou un truc comme ça, mais on n'aura pas faim du tout. Bon, surtout qu'on est sorti à 15h quand même. Et donc oui, c'est très rare qu'ils se mettent, qu'ils ne fassent rien. Mais là, voilà, il s'est mis devant la télé, il se regarde un petit film. Et voilà. Tout simplement, en toute simplicité. Voilà, bon, je vais vous... je vous laisse là, donc. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis j'espère à demain. C'est pas sûr.